Ce que je vous propose de faire cet après-midi, parce que c'est un projet d'un après-midi, c'est vraiment pas long. C'est des petits gants comme ça, qui n'ont pas de doigts. Ma fille m'a demandé ça, parce qu'elle aime travailler dehors, mais elle veut pas avoir les doigts pris dans des bouts de gants. Elle m'a demandé de faire ça, puis c'est, je pense, la troisième paire que je fais. Elle aime vraiment ça. C'est très agréable à porter. Ça prend presque pas de laine. Très rapide. Alors, si ça vous tente, on va faire le pas à pas. Si vous voulez me suivre, ça va être belle fun à faire. Pour réaliser ces beaux gants sans doigts, j'ai choisi la laine de Hobby. Vous allez dire, je commande toujours là, mais vous n'êtes pas obligé de commander là. Je vous dis juste seulement d'où est-ce qu'elle provient. Elle s'appelle Colorina, 80 acrylique, 20 laine. Et ça coûtait environ 2,40 US la balle. C'est quand même pas trop dispendieux. Ce qui est important de savoir, c'est si vous voulez avoir à peu près les mêmes choses que moi, c'est que ça prend un crochet, on le voit ici, crochet 4,5, c'est ce que j'ai. Ça veut dire que le fil convient à 4,5. Si vous avez un fil qui est pour du 4,5 et vous utilisez un 4,5, il y a des chances que ce soit à peu près les mêmes dimensions que moi. Ciseaux marqueurs, comme de raison. On va faire le point de côte avec un nœud coulant au début. J'ai pris le centre, j'espère que ça va bien sortir toujours. On va monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la deuxième, on va venir faire une maille serrée. Et moi, je mets toujours mes marqueurs au début et à la fin. Donc, la première, la deuxième, la troisième, non, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Ça fait pas un poignet qui est très long ici. Si vous voulez un poignet qui est plus long, qui entre dans le manteau, si vous faites un modèle pour les enfants, par exemple, ce serait le fun d'avoir plus de mailles. Alors, vous délimitez le nombre de mailles que vous avez besoin pour la longueur de poignet que vous voulez. Pour moi, celle que je fais, c'est amplement. Je fais une maille en l'air. Et je prends l'arrière du brin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait trop lousse. Ça va être trop lousse le début. OK. Je prends l'arrière du brin. Je fais ma maille serrée, mon marqueur. La même chose pour l'autre, la deuxième. La troisième. Et on va faire ça pour 16 rangs. Maille en l'air, on tourne. L'arrière du brin dans la première qui est ici. Je prends l'arrière du brin. Change mon marqueur. Un, deux, trois, six. Une maille en l'air. On tourne dans l'arrière du brin. On va faire nos 6 ou plus selon la longueur que vous avez décidée. Et
quand on en a fait assez, vous voyez que ça fait un genre de petite côte. C'est pour ça qu'on appelle ça le point côte. Il y a un rang, deux rangs. Le deuxième rang est toujours surélevé. Un rang, deux rangs. Alors, ça fonctionne comme ça. Vous allez faire 16 rangs. Et après ça, on va regarder la largeur. Parce que ça ici, il faut prendre en compte que ça s'étire. Et à chaque fois qu'on va rentrer notre main, qu'on va sortir notre main, il va prendre presque son extension maximale. Alors, faut pas le faire trop long parce qu'il va être trop lousse ici au poignet. On se revoit au 16e rang. Finalement, j'ai dû faire 18 rangs. Si vous avez de la difficulté à vous retrouver, regardez, ça c'est votre premier rang ici. Deuxième, il est sur le dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors moi, c'est pas grand, mais quand c'est étiré, j'aime mieux que ça rentre plus serré au poignet que pas. Alors, on va entrer notre crochet complètement dans notre première maille et on va aller chercher la première maille de l'autre côté. La première maille complète, les deux brins sont difficiles un petit peu à voir. Je ne sais pas si vous les voyez. Attendez un petit peu que j'y arrive. Et mon Dieu. Ici et là. Voilà. Les deux brins comme ça. On va faire des mailles coulées. Faites pas des mailles coulées trop lousses. Il faut que ce soit assez serré. Et pas trop serré non plus. On prend les deux brins de l'autre côté. Deux. Donc, on a six mailles à aller chercher complètes. Là, j'ai juste un brin. OK. Les deux brins. Ici. La cinquième. Et la dernière. Dans mon marqueur. Et où est-ce qu'il était le début de mon fil? OK. Je vais enlever mon marqueur. Voyez-vous, en travaillant de cette façon-là, c'est vraiment en ayant fini avec un nombre pair de rangs, on arrive vraiment à avoir le même côtelé. Mais ça, on s'entend que ça, c'est l'envers, c'est la couture. On tourne notre travail. Et maintenant, on va travailler en cercle. Je fais une maille en l'air. Vous voyez, ça ici, c'est entre deux côtes. Donc, sur une côte, on va faire une maille. Dans le centre des côtes, on va faire deux mailles. Une maille au-dessus, deux mailles au centre. C'est un multiple de 3. Donc, ici, je ferai ma première maille. Sur le dessus de la côte, la deuxième maille. Entre les deux côtes, je vais faire deux mailles. Non, un brin, je ne prends pas un brin, je prends toujours deux brins. OK. Sur le dessus côtelé, une maille. Entre les deux, deux mailles. Non, on dirait qu'il y a toujours un brin ici. Il faut vraiment que vous preniez deux brins pour que ce soit bien. Une sur le dessus. Une là. Une avec deux brins, voyez-vous, là? Celle-là ici, hein? Il faut vraiment que je prenne les deux parties pour prendre un brin complet, pour pas que ça fasse de trous. Un,
au-dessus. Et on fait ça tout le tour jusqu'à notre première maille. Et on compte pour voir si on a un multiple de 3. Moi, j'ai 27 mailles. Je vais l'essayer. Je vais mettre un marqueur ici pour ne pas perdre ma maille. Je suis dans la maille avant mon marqueur. Et voyez-vous, c'est parfait. Donc, je laisse comme ça. Si vous en avez besoin de plus, vous défaites votre couture et vous faites plus de rangs. Mais il ne faut pas oublier que ça s'étire. Ensuite, on va travailler en continu à partir de maintenant. Donc, dans notre marqueur, on va faire une maille serrée. On remet notre marqueur. Parce que comme on est en continu, on a besoin de tenir en compte le début de nos rangs toujours. Et dans la même maille, je vais faire deux brides. Une, deux. Je passe deux mailles dans la troisième. Je passe deux mailles dans la troisième. Maille serrée, deux brides. C'est notre patron. Tout du long. Une maille, une bride, une deuxième bride. On passe deux mailles, mailles serrées. Et deux brides. Une. Oups. Deux. Il faut habituer notre cerveau. Mailles serrées, on ne fait pas le tour autour de notre crochet. Une bride, on fait le tour. On passe deux. Une maille serrée. Deux brides. On passe deux mailles, mailles serrées, deux brides. Une, deux. On passe deux mailles, une maille serrée. Oups, deux brides. Passe deux mailles, une maille serrée. Deux brides. Passe deux mailles, une maille serrée. Deux brides. Dans la même maille. Passe deux mailles, une maille serrée. Deux brides. Une. Deux. Il nous reste deux mailles. Donc, ici, dans la troisième, on fait une maille serrée. On déplace notre marqueur. Parce qu'on commence notre deuxième rang. Deux brides. On arrive à notre marqueur. Maille serrée. Je remets mon marqueur. Deux brides dans le même trou. Je passe deux mailles. Et si vous ne savez pas trop où retrouver votre maille serrée, ça fait vraiment des triangles comme ça, ici. Donc, ça ici, c'était votre maille serrée, tout de suite après le triangle, et ça, c'était les deux brides. Donc, ici, maille serrée, deux brides. Même chose, on passe une maille, deux mailles. Celui-ci, près du triangle, tout de suite après, c'est notre maille serrée. Maille serrée, deux brides dans le même trou. Une, deux mailles serrées. Deux brides. Une, deux
Mailles serrées. Deux brides. On passe deux dans la troisième. Mailles serrées. Deux brides. On passe deux dans la troisième maille serrée, deux brides. On en passe deux mailles serrées, deux brides. On en passe deux mailles serrées, deux brides. Normalement, on devrait arriver comme ça. Une maille, deux mailles, et dans notre maille serrée, on fait notre maille serrée, on met notre marqueur, on fait deux brides. Et on continue comme ça. N'oubliez pas de vous repérer pour être vraiment à la bonne place ici, dans le triangle, tout de suite après, le trou après, tout de suite, c'est notre maille serrée. Donc, on continue jusqu'à temps qu'on soit rendu à notre pouce. Taille adulte, ça devrait demander 8 rangs. Si vous êtes en difficulté de savoir compter le nombre de rangs, étirez votre travail. Voyez-vous, on le voit très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, c'est mon huitième rang. Donc, pour créer, ben, je vais l'essayer. Je vais voir si je suis rendue à mon pouce. Voyez-vous, moi, 8 rangs, non, 8 rangs, c'est pas assez. Parce que je ferai le trou ici. Non, j'ai besoin d'avoir un rang ou deux rangs supplémentaires. Tout dépendant comment vous voulez le monter ici. Mais peut-être que normalement, un poignet, c'est ici au poignet. Mais moi, je l'ai un petit peu plus bas. Je vais faire deux rangs de plus. Donc, on se voit quand on va être rendu un petit peu avant le marqueur du rang où est-ce que vous voulez commencer votre pouce. Finalement, moi, ça a pris 11 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rangs, voyez-vous, ça convient à mon pouce. Là, on s'est arrêté avant le marqueur parce qu'on va faire notre trou de pouce. Je vais faire celui-là qui est avant. Ma maille serrée, mes deux brides. Et la façon de faire le pouce, c'est qu'au lieu de piquer ici, qui est dans mon marqueur, je passe à la suivante, à la maille serrée suivante. Donc, ça me fait mon espace. Au lieu de faire ma maille serrée ici, je le fais ici. Maille serrée. Je transfère mon marqueur. Et mes deux brides dans le même trou. Voyez, on va l'essayer. Voilà. C'est venu créer l'espace que j'avais besoin pour mon pouce. Si jamais vous trouvez que c'est un petit peu serré, quoique ça s'étire toujours de la laine, ça prend de l'expansion, vous auriez pu faire une maille en l'air ici. Entre la fin et le début d'une autre série, faire une maille en l'air qui aurait ajouté un petit peu plus de distance ici. Mais moi, j'aime bien quand il est un petit peu serré, sachant qu'il va prendre de l'expansion. Alors, OK, c'est parfait comme ça. J'ai mis mon marqueur, je reprends tout ça. Et je continue. Là, je suis rendue ici. Je continue jusqu'à la hauteur que j'ai besoin ou que moi, j'aime. Ça peut être à la jointure, ça peut être un petit peu plus haut que la jointure, sachant qu'il nous reste à la fin deux rangs
de mailles serrées à faire comme finition. Alors, on se rend avant la finition. Moi, j'ai 18 rangs à partir du début du poignet jusqu'à la fin ici. Pour moi, c'est correct. Si je veux prendre quelque chose, si je veux serrer quelque chose, c'est pas froid ici au milieu de ma main. Ça couvre à peu près jusqu'au début des doigts. Un petit peu plus. C'est parfait. Donc, ici, c'était le début de notre rang. Si on veut le laisser comme ça ici, comme finition, c'est parfait. On va le laisser comme ça. Si vous voulez faire la finition un petit peu plus resserrée, on va faire des mailles serrées. Donc, on vient de piquer dans notre marqueur. C'était notre début de rang. Donc, une maille serrée. On met notre marqueur. Et dans chaque autre maille, on fait une maille serrée. Et là, on va crocheter serré ou normal ou lâche, tout dépendant. Ici, comment ça faisait? Si ça faisait un peu lâche, je vais resserrer mes mailles serrées ici. Je vais crocheter un petit peu plus serré ou je vais changer un demi-point dans mon crochet. Si c'était parfait, je garde le même crochet, je mets mes mailles un peu lâches pour qu'ils gardent la même distance. Alors, pour moi, c'était parfait. Je continue comme ça, tout le long. Dans chacune des mailles. J'arrive à mon marqueur, je fais ma maille serrée dans la maille où j'avais le marqueur, je remets mon marqueur et je fais mon deuxième rang. Et rendu à mon marqueur, je fais une maille coulée. Je vais mettre un autre marqueur. Je vais vérifier si tout est correct, si tout est à mon goût. Je remets le gant. Et voyez-vous, ça allait à la jointure. Et là, avec les deux rangs de plus, ça monte un peu plus. Moi, je trouve ça parfait. C'est super. Ce que je vais faire aussi, je vais couper mon fil. Je vais passer mon fil à travers ma maille pour le fermer solidement. Et autour ici, au pouce, je vais faire des mailles serrées tout le long. Donc, là, je ne veux pas que ce soit pâle comme ça parce que ma laine change de couleur. Donc, je vais prendre
l'extérieur de ma balle ici. Ça n'a presque pas pris de fil. Ça, c'est une balle qui a combien de grammes? 50 grammes 200 mètres. Et je vous dis que vous allez faire peut-être deux paires de mitaines avec une balle seulement. Alors, c'est vraiment pas dispendieux. OK, on va venir s'ancrer dans une des mailles, les deux brins d'une maille. On va faire notre maille couler. Et on fait une bride dans la même maille. Marqueur. Et dans chaque maille, je vais faire les mailles serrées. Mais faites-les pas trop serrées, vos mailles serrées. Travaillez assez lâche parce que, en tout cas pour moi, le pouce, il était parfait. Donc, je ne veux pas le resserrer en faisant mes mailles serrées. Voyons. Et je ne vais faire qu'un rang. À moins que vous vouliez que le pouce monte un petit peu ici, là. Si vous voulez que le pouce monte un petit peu ici, faites deux rangs de mailles serrées. Mais moi, je ne veux pas ça. Je vous offre des options possibles. Oups, je perds mes mailles. OK. On va tasser nos fils. On va se reprendre notre tension. Dans la dernière ici. Et pour moi, je fais ma maille coulée dans ma maille serrée. Je coupe mon fil. Je passe au travers de ma loupe. Voilà, j'enlève mon marqueur. Et on resserre tout ça. Voilà. Ça fait quand même une petite finition autour du poignet, du pouce plutôt. Et ça le rend plus solide aussi pour les nombreuses fois où on va le porter. Alors voilà, j'entre mes fils, je monte l'autre main et je vous montre ce que ça a l'air. Je vais mettre mes petites identifications, que ce soit bien joli. Et c'est pas plus long que ça. Alors, c'est ce que ça a l'air, ce projet-là. C'est vraiment pas compliqué, comme vous avez vu. Ça prend presque pas de fil. Dans une balle de 200 mètres, je peux faire deux paires de gants sans doigts. C'est vraiment pas dispendieux. C'est agréable à faire, un après-midi, un petit projet rapide. Et ça fait vraiment des beaux cadeaux qui seront très appréciés et qui vous auront pas coûté énormément. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et je vous vois pour un nouveau projet.